Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Boréal et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour un petit tuto. Les amis, je vais pouvoir vous expliquer tout simplement comment se connecter au compte Microsoft sur Minecraft et même si ça bug. Et je vais aussi expliquer comment rejoindre le serveur. Parce que regardez, ici vous avez écrit bientôt disponible, mais donc ce n'est pas le sujet, enfin c'est le sujet mais pas tout de suite. En premier, la première étape tout simplement c'est de se connecter au compte Microsoft. Donc moi où il est écrit MagicMagic2922, vous allez cliquer, donc vous il y a écrit se connecter au compte Microsoft, et ça va vous emmener sur une page avec un lien et un code. Sur une autre plateforme, un portable, un ordi, vous allez mettre le lien. Vous allez également mettre le code du coup, mais le code c'est quand vous aurez ouvert le lien, enfin la page. Donc après vous devrez juste mettre l'adresse mail et le code. Donc vous attendrez un petit peu et normalement il y aura un chargement sur votre PS4 et après vous refermez la page quand le chargement aura terminé. Donc pour ceux qui attendent des plombes et de ça et ça bug, donc vous pouvez quand même vous connecter au compte Microsoft avec une petite astuce. Donc vous allez tout simplement aller dans les paramètres de votre PS4. Donc désolé, je vous ai mis des screens du coup parce que ça bug sinon. Donc vous allez dans les paramètres de votre PS4 et après dans stockage. Le stockage. Vous allez donc dans le stockage, vous avez qu'une seule option, donc stockage du périphérique. Je sais pas si ça s'appelle exactement comme ça, mais hein. Donc après vous allez avoir application et tout ça. Vous allez dans le stockage des données. Après dans Minecraft. Et ensuite, donc tout en haut des données de Minecraft, vous allez avoir deux fichiers. Donc si je dis pas de bêtises, c'est 5 et 31 MO. Oui, c'est ça. Et vous allez simplement les supprimer. Donc, il y a une tête dans un skin. Il y a un rouage pour ceux qui doutent. Mais de toute façon, vous avez vu le screen normalement. Donc, vous allez les supprimer. Après, vous allez revenir sur Minecraft. Et vous allez télécharger une application. Mais je préviens, elle est seulement sur Android. Et donc j'espère que vous connaissez quelqu'un qui a un Android. Donc c'est Pokémon MP. Donc vous allez tout simplement télécharger cette application. Et dès que vous serez sur l'application, vous allez aller sur serveur et vous allez mettre la petite flèche qui est tout en haut à droite et qui pointe sur entrée. Donc c'est le truc téléchargement. Donc sélectionnez le channel. Vous mettez stable et donc vous avez version API, numéro de build, branche, version du jeu et autres, enfin que ça non. Et vous allez simplement mettre télécharger. Donc vous allez avoir un petit téléchargement de quelques secondes, voilà. Et vous allez mettre démarrer. Donc le serveur va être démarré. Et regardez, si vous allez sur jouer, oh il y a un ami qui est en ligne. Et ben non, c'est Pokémon MP serveur. Donc vous allez simplement aller sur Pokémon MP Server et vous allez aller maintenant sur console. Vous dites ouais, c'est difficile. Pas du tout. Quand vous serez sur console, sur l'application Pokémon MP, il y a une option console, donc si pour ceux qui n'ont pas compris. Et vous allez simplement écrire OP en minuscule plus loin votre pseudo. Donc moi en l'occurrence c'est Magic 2922 et vous mettez regardez console Magic 2922 premier opérateur. Donc je suis OP opérateur, voilà. Et donc après vous allez simplement aller dans le chat et vous allez mettre slash transfert serveur. Il y a différentes IP mais l'IP du serveur là en l'occurrence c'est IP point Hyperland SMC point net. Donc non pas Ney net. Donc vous allez pouvoir regarder un petit peu
Donc je vais aussi vous mettre dans la description l'IP du serveur, d'un autre serveur. Donc ce serveur, c'est du PvP faction qui s'appelle Hysteria. Donc il est actuellement en maintenance. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont le rouvrir. Mais pour trahison. Donc ils ont dû refaire le serveur. Donc je pense que vous avez noté. Hop là. Et regardez. Ça va vous mettre sur une. Sur un chargement, encore une fois. Voilà. Donc n'inquiétez pas, je sais pas si ça bug un petit peu, refaites et ça, mais moi normalement ça va. Ok, et donc allez, le petit chargement. Donc c'est normal hein, si ça fait ça, ça fait pareil que moi. Enfin, c'est normal. Vous pouvez également le faire. Enfin voilà. Parce que moi, je sais pas si vous avez vu, ça m'a mis sur le monde et ça m'a déconnecté. Donc vous, ça peut aussi ne pas vous déconnecter. Mais moi, je sais pas pourquoi ça fait ça. Il est bizarre. Et ça charge, ça prend longtemps quand même. Et non, toujours pas. Eh ben, et ça prend du temps sur le serveur en même temps. Donc je vais expliquer. C'est voilà. Regardez-moi ça. Hyperland ici. Donc les gars. Écoutez, je vous explique un petit peu. Donc Hyperland, c'est par les créateurs de Hypixel. Ils ont fait donc Hyperland sur PS4. Parce qu'on n'a pas Hypixel. Et c'est pourquoi qu'on s'ennuie quand même. C'est bien Hypixel. C'est bien également Hyperland. Donc je vais pouvoir vous expliquer ce qu'on a. On a Join Ranked Skywars. Donc en gros, vous allez être classé. Après, vous avez des Skywars simplement pour vous amuser. Vous avez des duels pour vous entraîner au PvP. Vous avez Bed Wars, vous avez The Bridge et tout. Donc, on a un petit shop pour des kits et tout ça. Regardez. Là, par exemple, on a Archer. On a Troller. On a Warrior, Rouge, Healer, Witch, Time Skip, Heavy, Builder, Fire Dragon. Night, Tree, bon c'est plus facile à voir donc voilà, Shift, Blacksmith, Combo Breaker et MVP. Donc ça il faut juste avoir des rangs pour ça. Et après on en a d'autres shops et de ça, mais voilà. Dis-moi si vous voulez les gars à 10 likes, vu qu'on a dépassé les 100 abonnés, donc je vous en remercie. Au 15 likes les gars, je fais des présentations de serveurs sur PS4 pour ceux qui veulent, donc dites-moi ça. Et tout simplement, j'espère que la vidéo vous aura plu les amis, hein. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à activer la cloche, à partager les amis, ça fait toujours plaisir. J'espère que la vidéo vous aura plu les amis, c'était Boréal. Et bye bye.